Ah là là, tu brûles toujours toi, hein? Hein? Tu brûles toujours. Bon, sinon, coucou, coucou, bienvenue, bienvenue sur Babi, coucou. Alors, j'espère que ça vous a plu le dernier épisode qui était un petit peu long pour ma part. Bon, ça fait 30 minutes, mais bon, pour moi, ça fait beaucoup plus. Donc, j'espère en tout cas qu'il est pas très long, que vous avez très bien compris, parce qu'aujourd'hui, on va continuer. Du coup, j'ai fait tourner, j'ai laissé tourner le serveur en côté local. Sinon, il y a des tutos sur le net hein, pour savoir comment faire tourner ce genre de choses directement sur un serveur en local. Il y a des tutos très sympas sur ça. Recherchez sur Google, hein, c'est la meilleure des choses que puissiez faire, puissiez faire. Mais voilà, c'est comme ça de toute façon qu'on apprend à faire ses recherches. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement. Alors déjà ici, bah je vais pas creuser là-bas parce qu'il y a tout simplement Botania qui se met. Oh. Oups. C'est quoi ça? Ah, c'est du métal? Ok, ça je peux le péter mais pas ça. Voilà. Dommage que je puisse pas le péter. Si je peux te péter à la main, mais absolument c'est tout. Ah. Allez, vas-y, pète à la main. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Donc, ce qu'on va faire là, c'est tout simplement une petite forêt. Oui, une petite forêt de 9 par 9. Si on peut. 1, 2, 3, 4. Alors, 9 par 9, oui et non. Tout simplement ici, ce que je veux mettre, c'est déjà de la cobble. Pourquoi la cobble? C'est tout simplement pour faire en fait une couche comme quoi c'est séparé. Pour éviter en fait de se prendre des arbres directement quand on commence. Alors 4, on va faire 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors pourquoi 11? C'est tout simplement pour compter les bordures. Et puis là j'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 et 11. Et hop, on revient en mode à l'envers. Voilà. Ok, bon, ça va faire un petit truc plutôt sympa. Hop. Et puis, on va mettre notre bordure ici. Hop, la cobble. C'est tout à fait normal si je fais une double rangée, hein, ce qui est tout à fait normal, c'est tout simplement pour faire en sorte qu'on puisse poser notre barrière. C'est surtout de la sécurité, sachant qu'on est dans un void. Et que en plus, ça risquerait de popper. Donc du coup, on met les semi-bouchées doubles pour protéger le tout. Hop. Ça va, j'aurai assez de. Voilà. Donc du coup, ça, on peut l'enlever. Hop. De toute façon, les abeilles, à un moment, je vais devoir être obligé de les enlever puisque je vais tellement avoir besoin de ce genre d'abeilles que je serai dans l'obligation en fait de tout changer. Et par la même occasion, je reviens. Bah les gens, du coup, bah, j'ai un petit peu agrandi en fait, j'ai pas fait tout simplement du 9 par 9. Je me suis quand même fait le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà. 11 par 11 avec la barre au milieu qui est tout simplement de la cobble. Pour faire nos petits espaces comme on avait fait là-bas. Sauf que j'avais fait plutôt un grand espace là-bas d'ailleurs. Ouais, c'est un grand espace ici. Faudrait que je les mette en boucle ceux-là. Mais cependant, comme je n'ai pas déjà ce qu'il faut, bah je ne peux absolument pas les mettre en boucle les cocos-là. Dommage. Dommage, dommage. Par la même occasion, du fait que nous en sommes là. Hop, 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 hop. Du coup, ici, on va faire un petit peu
nos plantations d'arbres, parce qu'on aura besoin de bois à un moment ou un autre. Et du coup, bah, je préfère quand même avancer les besoins afin de que nous puissions tout simplement avoir notre bois. Et de toute façon, par la suite, si j'ai un harvester pour avoir du bois et du charbon en continu, bah, c'est quand même préférable d'obtenir ce qu'il faut avant. Comme ça, je peux lancer une prod sans pour autant attendre que les premiers arbres poussent pour envoyer dans les machines pour me créer du charbon. Comme ça, je l'ai directement. Voilà. Ah, c'est quand même plus beau, un petit champ comme ça. Ça, c'est beau. Et le blé qui pousse toujours aussi bien. Il va me falloir de la canne à sucre aussi en parlant de ça. Une petite seconde. Voilà. Alors, du coup, au niveau de nos abeilles, maintenant qu'elles ont plutôt bien aimé. Déjà, je vais mettre une petite torche ici. Voilà, comme ça c'est plus beau, plus propre. Du coup, on va faire passer notre petite nuit. Il y a des modes à mettre à jour en plus. Hop, on fait dodo. Oh, des fleurs qui butinent de tous les côtés. Qui régènent en même temps. Du coup, au niveau des abeilles. Oh putain. Ok. Tac, tac. Ça, je garde, je garde. Ça, je vais garder aussi. Alors, déjà, on va faire ce qu'il faut. La dolly ici. Le bucket, le... Hop, hop. On verra ça plus tard, de toute façon. Voilà. Alors, du coup, au niveau du tin, ça a bien poussé. Au niveau des combes, putain, c'est l'anarchie. Combes pollen. Oh là. Ok, on va peut-être se vider déjà un petit peu, hein, parce que ça a beaucoup poussé. Stribine combe, 9 stacks, et après c'est du tin. Il faudrait que je refasse des jabas. Faudrait que j'en refasse. Au moins pour le tin et le... Et ça. Alors c'est déjà fait, déjà fait. Oh la Royal Genie! Ah, ça c'est bon. J'ai bien fait de mettre tout ça toute la nuit, moi. Parce que ça produit plutôt bien. Hop, hop. Oh, 8 stacks, YOLO. Hop. Bon, bah ça, c'est pas... c'est magnifique. Je vais foutre celle-là. Je vais me refaire un coffre, par contre. Hop. Oui. Voilà. Tout simplement pour avoir ce qu'il faut. Donc, ici, ok. Ça produit bien, ça me produit même très bien. Donc vous voyez en fait ce que j'avais fait sur Agrarian Sky, le premier je crois, j'avais fait justement ce système d'abeilles en mode auto avec un big reactor derrière. Et tout simplement c'est que à la fin d'une journée, j'avais mis complètement des deep storage tellement que ça produisait en masse. Bon, derrière j'avais tout le système qui permettait de le faire produire, surtout des abeilles d'uranium, des yorium. Donc j'étais no problème, j'avais surtout des lasers avec. Ah oui, d'ailleurs, Honeycomb. Voilà, 18 stacks. Ah, c'est cool, nous qui manquait de copper. Du coup, bah, les petites abeilles produisent tranquillement, me donnent un régène, c'est magnifique. Alors, au niveau de nos quêtes maintenant, niveau de nos quêtes. Tac, alors, Biresto. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah oui, on devait faire le blé. Le blé, bah, c'est bien beau, mais en fait, je fais tout le temps ça. Il faudrait peut-être que j'exaugmente, mais il me faut du papier pour savoir un petit peu les graines, où est-ce qu'elles sont. Parce que c'est très long, hein, il faut dire ce qui est. Je pourrais limite faire un champ de blé. Là, on a les arbres. Ici, c'est super cool. Je pourrais faire, par exemple, ici, la même chose, mais qu'avec ceci, hein, donc en mettant que du blé.
Ça pourrait aller plus vite. Cependant, pour faire les croisements, et sachant que les cils ne sont pas forcément de très bonne qualité, sachant qu'elles sont en première classe, et non à la dixième, du coup, à la dixième classe, mais pas à la première. Voilà. En tout cas, qu'elles ne sont pas très puissantes, ce genre de graines, du coup, ça sert trop à rien de tout simplement faire ce qu'il faut là tout de suite. Il faut tout simplement attendre en fait que la cible pousse, ce genre de choses, faire ce croisement, patati patata, donc c'est plutôt assez long. Voilà. Donc, au niveau des quêtes, celle-là, on va... voilà, on a déjà 17%, c'est cool. Industrial Apiary. Alors, maintenant que nous avons ça, il faudrait notre bioanalyseur. Donc, pour ça, il nous faut la centrifuge. Donc, il faut les machines. La centrifuge qui se trouve là, on va devoir la faire. La centrifuge, du coup, sans centrifuge. La centrifuge. Donc, c'est du copper, ceci de la glace. Donc, tu permets, je me fais cuire un stack. Me faut du coup copper. Ceci. Donc c'est 6 de copper. 6 x 9, 45. 6 x 9. Ouais, 45. Hop. Voilà. Ah non. Bah 9 fois. Ouais, bah c'est ça en fait. Il m'en manquait juste 9 de plus. Hop. Voilà. Donc, on fait ça. On fait ça. On met ceci au milieu. On prend notre petit verre. Et on fait ceci. Centrifuge. Voilà. Nous avons notre centrifuge. Donc, on obtient des coffres ou ça. Je vais prendre des barrels. Parce que je vais en avoir besoin des barrels. Surtout pour mettre ici, en fait. Hop. Là. Pouf. Tuc, tuc, tuc. Ouais, bah, de toute façon, j'ai du verre en continu. Voilà. Donc, je vais pouvoir mettre mon tin, mon thym et YOLO. Alors, mon copper nugget. Tac. Mon tin. Tac. Voilà. Ça, c'est magnifique. Les upgrades ici. Les solars, on va les mettre là. Donc on a fait notre centrifuge. À quoi sert tout simplement notre centrifuge? À beaucoup de choses. À beaucoup de choses, les centrifuges et tout le tralala. On va mettre un câble supplémentaire. Pourquoi? Parce que je pourrais connecter là, là et là. Ou je pourrais le connecter derrière, ce genre de choses. Bon, enfin bref. La centrifuge, du coup, c'est une machine qui consomme en continu. Voilà, c'est les problèmes de foresterie, c'est qu'elle se consomme en continu. Donc on va la mettre là, elle se charge en 5000 RF. Et là-dedans, on va récupérer notre petit combe ici. On va les récupérer, ceux-là. Et on va les mettre là-dedans. Donc ça va traiter petit à petit, tout simplement. Et à la fin, ça va nous donner du B-Wax et du Honey. Le Honey, ce qui va nous servir tout simplement à avoir ce qu'il faut. Oh, on commence à voir de belles choses qui se débloquent. Oh, c'est intéressant tout ça. On va faire le squeezer, tant qu'à faire, hein. Le squeezer. Oh, c'est cool ça. C'est une sponge. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est cool. Tintin. Ok. Tac. Alors, j'en ai déjà trois ici. Hop, 1, 2, 3. Voilà. Pouf. Le petit verre qui va bien. Youp, youp. Et hop, squeezer. Le squeezer, c'est un élément très, très sympa qui nous permet en fait de comment? À partir de seed, ce genre de choses. On peut obtenir en fait ce qu'on appelle, si j'arrive à le retrouver, du honey liquide, du seed oil. Et ce seed oil ensuite nous permet tout simplement de créer des apiaries, version forestry naturellement, mais également par la suite ça nous servira à autre chose.
Donc, pour l'instant, bah, ça, j'en ai pas forcément besoin pour l'instant. Donc, je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, une fois que ceci t'en fait un résonante ou un drum. Oh, plus un résonante, ça coûte cher. Voilà. On obtient des belles petites choses. Hop, les petits solars qui vont bien avec. Le résonant temps qui nous servira pour plus tard. Au niveau de la quête, maintenant il nous demande des iron nuggets. Donc il va falloir faire des ferrous. Ah, ferrous, c'est pour faire des ferrous. Oui, bah oui, logique. Des leads et de l'iron. Alors, pour l'iron. Iron nuggets. Hop, on les fait à partir de justement les ferrous queen, qui sont des common et des industrious. Alors, comme nous avons déjà les common en queen et nous avons des drones d'industrious, on peut se faire directement l'iron. Oui, c'est bien ça. Hein. Ouais. Alors, industrious. Nous avons sans doute une commande de plus, sachant que les commandes on peut les obtenir encore. Hein. Tac et tac, de la vache qui rit. Une fois que nous avons ça, est-ce que nous pouvons avoir non, on commence à plus avoir grand-chose au niveau des abeilles. Donc ça, je vais le retirer. Voilà. Hop. Voilà, chargé de 100 000 direct cash de l'eau. On va faire automatique, on va lui mettre ce qu'il faut. Pardon. Hop. Du coup, on va reprendre ça. Donc, on a notre ferrous. Qu'on met ici, tac tac, et qu'on fait ça. Comme ça, la cocotte, en fait, elle va butiner. Oh putain. Donc du coup celle-ci elle travaille de jour comme de nuit. C'est l'avantage. Et cette petite abeille nous permet après de faire du... Oh, du Silicon Queen. La Skystone Princess. Ok. Et comment on fait de la Skystone Princess? Ah non. Non, non, non. Dis-moi pas que c'est ça. Parce que c'est très ch... Ah non, pas la super naturelle. Non, non. Ça va être la merde de faire de la Skystone. Je vous garantis pas comme ça va être la merde pour faire celle-là. Il faut passer par des étapes. Et des étapes, même si c'est ça, en fait, c'est super simple, comme on pourrait le croire. Il faut faire l'Enchanted qui est Eldritch et Charmed. Et le Charmed, on obtient Cultivate et Eldritch. C'est l... En fait, le plus chiant, c'est que c'est long. C'est surtout ça, en fait, que c'est le plus long. Surtout qu'il va falloir des Ethereal Drones qui se font avec des arcades et des supernaturales. Qui se font avec cela, qui est des arcades et des supernaturales. Tac. Donc, celle-là, des Ethereal, supernatural, arcade. Voilà. En clair, j'ai pas fini. En clair, je n'ai pas fini. Mysterious, tac, c'est d'ésotérique. Ésotérique, c'est ça. Bon, voilà. En fait, c'est tout simplement une abeille qui a la Skystone. C'est comme en fait la dernière abeille que je voulais. Peut-être la Draconique, mais je me rappelle plus si c'était bien elle. Mais c'est tout simplement l'abeille qui permettait. Non, ça doit être la Diamantine en fait. On doit passer justement par ce type d'abeille pour vraiment faire ce qu'il faut. Donc ce qui est assez chiant. Silicone encore, ça pourrait être sympa, mais il faut faire la Skystone. On peut le faire l'Invar, donc avec du nickel. C'est nickel. Mais bon, il faut passer par l'ésotérique également. Et c'est chiant. Ouais. Voilà, là on commence à avoir les abeilles un petit peu chiant à faire. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, du coup, on a du OD qu'on va récupérer avec le Biwox. Hop, hop.
Toc, toc, toc et toc. Voilà. Donc, au niveau de notre quête, il se trouve, ouais, je sais que j'en ai un ici. On peut obtenir du coup notre. Je suis le bien-analyseur. Et le bien-analyseur, c'est ce qu'on avait au début de game. Voilà, c'est comme ça qu'on puisse maintenant faire ce qu'il faut. Donc maintenant, en fait, on peut scanner toutes les abeilles qu'on pourrait vouloir voir un petit peu ses caractéristiques. L'Industrius. Par exemple, l'Industrius. Quand on la scanne, sa vie est normale, son temps de vie est normal, sa production est plutôt lente, sa pollinisation, ah, la pollination speed, ce qui permet de buter les arbres. Elle est rapide, elle a besoin de type de fleurs, elle nous donne 2 drones quand elle meurt, son territoire c'est du 9 par 9 par 6, et elle n'a rien comme effet. C'est ce qui est tout à fait normal. Elle travaille que 2 jours, elle travaille pas la nuit, elle ne tolère pas la pluie et ni dans les caves. Ce qu'elle donne, donc le pollen, machin, sa mutation, qu'on a déjà faite, tac et tac, qui prennent. Ça c'est sa classification périodique. Hop. L'abeille qui nous intéresse aussi, c'est l'impérial. Donc là c'est tout à fait normal que j'ai arrêté. Voilà. Impérial, normal, normal, lente. Slowest, donc c'est très très lente. Besoin de fleurs, elle nous donne 2 drones à chaque fois, 9 par 9 par 6. Effet beautifique qui permet de faire du régène. Elle travaille que 2 jours et pas de nuit, ce qui est un peu dommage. Elle nous donne ceci, la Royal Jelly. Et on connaît pas encore les mutations de la cocotte. Voilà. Noble, on connaît. Je vais quand même la scanner, la noble. Elle est short, elle est slower, elle est snow, fleur, ainsi la même région. Elle ne travaille que la nuit. Elle nous donne que ceci. Et au niveau de la mutation, on n'en connaît que 2 pour l'instant. Au niveau de l'Astanium, voilà. Elle est très courte au niveau de sa vie. Elle est lente, elle est très lente, elle est très lente, elle est très lente. Type de fleur, bah les fleurs. Elle nous donne qu'un drone à chaque fois. Donc bon, en fait, c'est universel la cocotte. Ça fait 54 fois qu'elle tourne. Celle-ci, elle peut travailler de jour, de nuit et dans les caves. Donc ça, c'est cool. Voilà. Sa type possible, Reality, Celtine. Et on ne connaît pas les mutations encore. Stanium, Stanium. Le Férousse maintenant. Très lente, très lente, très lente. Type de fleurs, les effets, on les connaît. Elle travaille de jour comme de nuit dans les caves. On a la possible, l'Iron. Et on ne connaît pas encore les mutations. Mais les mutations, vous connaissez très bien. C'est l'Invar, le Silicone et le Nickel. Ça, c'est nickel. Bon, je vais arrêter avec cette blague de merde. Les Industrius, je crois qu'on les avait déjà scannés. Les a scannés, oui. 22 générations. L'Impérial, celle-là, bon, on la connaît déjà. L'Industrius aussi. L'Industrius. L'Astanium, là. Et la Copper, qu'on va scanner. Très lente, très lente, très lente. Bah, très courte plutôt. Très lente, très lente. Fleur. Un drone. Voilà, universel. Travaille de jour comme de nuit dans les caves. Nous donne ceci du copper. Et on ne connaît pas les mutations possibles. Voilà. Donc. Merci pour le blé-blé. Hop. Bianalyzer V2. Ok. Get some. On commence à avoir des petites abeilles que je veux par la suite. Hein. Alors, les tropicales, il faut les émuler comme quoi. Bon, en fait, elles travaillent dans les jungles. Les modestes travaillent dans les déserts. Winry, bah, connaissait bien la neige. Et Marshy, les biomes de marée. Voilà.
C'est tout simplement comme ça. Après, il nous demande de choisir. Ça, par contre, c'est pute. Ça, c'est très pute, par contre. À partir de la modeste. À partir de la modeste, qui sont ces ruches-là. D'ailleurs, je crois qu'on peut les faire, les abeilles-là. Les modestes, tout simplement, on peut pas les faire. Donc, ça soit obligatoirement des abeilles de base. On peut faire l'austère. Alors, attention, l'austère, elle pique et elle t'arrache la gueule. Donc, c'est une modeste et une frugale. Bien sûr, la frugale se fait avec une modeste et une sinister qui travaillent dans, tout simplement, dans les biomes à risque. On peut refaire des commons. Ok, c'est cool. L'austère qui est sympa aussi. On peut refaire des commons. En fait, on peut faire que des commons avec elle. Frugal, Friendly, Sinister, Argentium. Oh. Elle nous permet de faire quoi l'argent? Ah, du silver. Oh, c'est cool. Après, on peut faire du losmium, émeraude, électrum. Donc, vous voyez un petit peu les abeilles qui on a besoin quand même. Osmium, émeraude. L'argent. Oh, ça pourrait être sympa. Osmium. Ah, c'est de l'osmium, c'est pas du magnésium. Ok. Austère. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ça. Par contre, je sais très bien que il y a une abeille qui permet de faire la redstone aussi. À partir des énergies Z combes, généralement, voilà, l'Exited, qui nous permet en fait, à partir de redstone, bah, de faire de la redstone. C'est tout con, hein. Hop. Exited énergétique, donc elle produit plus en fait. L'énergétique, en fait, vous avez besoin de ça et d'une valiante, tout simplement. L'exited, vous avez besoin d'une cultivate, une valiante, donc il faut faire absolument la valiante. Ça, c'est obligatoire. La valiante, en plus, on peut pas la crailler, la valiante. Faut la trouver, la cocotte. Elle nous permet de faire du sucre. Donc voilà. Hop. Donc voilà, ceci étant fait. Oh, il y a une belle jungle à côté. Il nous faut 8 de Rocky. Alors, 8 de Rocky. Sachant les Rocky, je les ai foutus où, moi? Sachant que je les ai foutus dans un coffre. Là. 8 de Rocky. Manuel, voilà. Alors, on nous demande de choisir entre ça, ça et ça et ça. Donc. Je vais prendre la modeste. La modeste, pourquoi? Parce que je peux faire pas mal de choses. Cependant, il y a la tropical. Tropi. Pas tropi. Tac. La tropical. On peut pas la trouver comme ça. Il faut la créer. Non, on peut même pas la créer. En fait, je suis con. Je suis vraiment con. Mais la tropical, en fait, nous permet tout simplement. Quand elle butine, d'avoir ce genre de choses. La silky comb. La silky comb, c'est important. Vraiment au plus haut point, c'est qu'elle nous permet d'avoir 80% de chance d'obtenir du propolis silky. Et ce propolis, on peut en faire des lettres, lol. Mais également, on peut avoir du silk whips, qui nous permet tout simplement de récupérer ceci. Donc, tout simplement, ça permet d'éviter de se faire piquer au niveau de l'abeille, parce qu'elle te fout poison, celle-là. On peut en faire des strings, mais surtout, on peut en faire ceci, des Walden Skill. Une fois ça, bah, en fait, vous donne tout simplement l'armure qui vous permet de protéger de toutes les piqûres, de toutes les abeilles. Voilà. Donc, je sais pas si on choisit la Tropical, celle-ci, ou tout simplement la Modeste. Sachant que je pense qu'on peut refaire une Modeste. Avec une tropical, je ne suis pas sûr. Hein. Mais on va prendre la tropical. Et modeste 2. La Rocky Cultivate Common. Bon. Hein. Ça, au pire, on s'en tape un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rocky.
Voilà. Bi-analyseur. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ça, c'est très la merde. J'avais fait un tuto il y a fort longtemps déjà, sur ma chaîne principale, je crois, donc celle-là. Tout simplement pour dire qu'il y a une nouvelle version justement de comment pour traiter l'ADN, ce genre de choses d'abeilles, et de les rendre, on va dire, potables, entre parenthèses. Et cette version, en fait, elle est très très chiante, sachant qu'il faut beaucoup de choses pour obtenir ce qu'il faut. Donc c'est chiant en même temps, c'est cool. Du coup, on va se le faire dans le prochain épisode, naturellement. Faut juste que je retrouve un peu mes papiers, hein, naturellement. Ben c'est très la merde. Mais voilà. Surtout, DNA die. DNA die. Voilà. C'est décolorant. Bah ça va, c'est décolorant, c'est pas non plus la mer à boire, mais c'est décolorant ou sinon de la glowstone, donc on peut en récupérer. Et la dye, c'est tout simplement du lapis avec de la red. Voilà. Pas de la dye avec de la blue, donc faut faire des fleurs, voilà. Ça va, c'est plutôt... En fait, c'est un peu onéreux parce qu'il faut du magenta, du purple. Voilà, il faut de la bonne mine. Voilà, c'est en fait c'est cher, mais par la suite ça va nous aider. Mais cependant, ce n'est pas du tout mon but pour l'instant. En plus, les tropicales marchent avec ce jaune, ce type d'arbre parce qu'il y a des vignes dessus. Ça c'est cool. Du coup, tac tac, je vais juste rentrer ça. Je vais devoir augmenter les chaises. Hop, plank pattern, tac, 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 tac. Voilà. Bon, bah du coup, ça, je vais peut-être le laisser tomber pour l'instant, hein, parce que YOLO. On va devoir faire le lead. Ici, l'iron, bah, elle produit petit à petit, donc ça va bientôt y arriver. Comme ça, je vais pouvoir refaire tout simplement ce type d'abeille. Ça va être cool. Je vais pouvoir les faire tourner. On commencera à avoir un petit peu d'iron, ce qui nous sera nettement bien. Au niveau de la clé, il va falloir que je la refasse tourner pour obtenir le four de Tinker, hein, parce que il faut du gravier, du sable et de la clé. Donc celle-là, je vais la refaire tourner, la river. Ça doit être bien ça, hein, ça doit être la river qui nous fait ça. La water, la river, ouais, ça doit être la river, ouais, c'est ça. Ok, la river. Donc il va falloir que je fasse retourner la fameuse river. River. Ah voilà. La river queen. Hop, merci. Et je veux juste la scanner comme quoi. Voilà. Elle lente. Elle travaille lentement. La pollinisation est lente. Elle a besoin de lily-pad. Elle nous donne 3 drones. Sa région et l'effet water. Je sais pas à quoi ça sert l'effet water d'ailleurs. Elle travaille 2 jours, pas de nuit. Elle travaille quand il pleut et pas dans les caves. Ça fait 40 fois qu'elle tourne. Nous donne ceci des clécombes. Mutation aucune. Et voilà. D'ailleurs, la river, c'est vrai qu'il n'y a pas de mutation. Maintenant, parce qu'on peut la créer, la water. C'est à partir de la water, la cocotte qu'on fait de la river. Ok. Ah, et puis c'est la water qui nous permet de faire du lapis. Eh, d'ailleurs, c'est pas con. Peut-être pour la prochaine, on va commencer un petit peu ce genre d'abeille. Cependant, il faut un biome océan. Je crois. Lily pad. La roche. Oh non, c'est bon en fait. On obtient de la roche. Donc la résiliente, c'est une impériale. Et une robuste. La robuste. C'est une roquine tolérante et la tolérante, c'est une roquine diligente. Ok. Ah bah en fait, c'est plutôt cool. Une roquine, donc c'est une roquille et puis une diligente. Un petit drone, voilà. Ça, c'est bien. Hop, la petite tolérante.
Faudrait peut-être que je remette un peu de mutagène. Hop, la fameuse tolérante. J'ai juste enlevé ça pour qu'elle puisse travailler avec les solar panels. Ok, bah la tolérante c'est cool. On va juste la scanner pour la fin. Short, 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 rock, fertility de 1. Puis ça va être la merde. Elle travaille de jour, de nuit, comme sous terre et quand il pleut. C'est magnifique. Elle nous donne des roquicombes. Et voilà. Ok. Cependant, je voudrais bien qu'elle m'en donne plus parce que si j'ai besoin de tolérant drone. En fait, non. La Shadow. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien celle-là. Elle a besoin du Nether pour travailler. Celle-là, elle a besoin de tout et de rien. Ok, bon, en fait, elle a juste besoin du Rocky. Ok. Bon, bah, c'est cool. Il faut juste que je la fasse tourner un petit coup. Bon, bah, c'est magnifique. Du coup, je la fais tourner. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Hein? Sur ce, bisous tout le monde. Et à la prochaine. Oh, ça va, ça produit bien.